Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yeah. Yo tout le monde, Sofiane le Geek, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo invocation sur le jeu One Piece Fighting Pass. Ça y est, Kuzan alias Aokiji est enfin arrivé sur le jeu, il s'est fait attendre. On a attendu quand même pas mal de temps depuis la sortie de Mihawk, qui était voilà, un personnage extraordinaire qu'on a réussi à choper, parce qu'en plus, voilà, sur ce jeu, il y a un système de pity, je le rappelle, le système de pity te garantit le personnage, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, à partir de 9 multi-invocations, je crois, donc ça, c'est merveilleux sur un jeu gacha. Comme vous pouvez le constater ici, il y a du gameplay, le personnage a mis du temps à sortir, parce qu'apparemment, il a été retravaillé au niveau du gameplay. En fait, la communauté, les joueurs de One Piece Fighting Pass, avaient demandé à ce que Aokiji puisse geler, parce que voilà, c'est le pouvoir de Aokiji, tu vois, à la base. Donc forcément, du coup, les développeurs ont écouté la communauté, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, tu vois, ils ont écouté la communauté et du coup ils lui ont donné un pouvoir qui gèle, et il a l'air vraiment très très intéressant. Vous pouvez le voir, hein, ici au niveau du gameplay, voilà, de son attaque ultime, c'est vraiment bien travaillé, et ça, pour le coup, ça reflète One Piece Fighting Pass, qui pour moi font un travail extraordinaire sur ce jeu gacha. On espère une version globale, je tiens à le préciser dans cette vidéo, parce que je sais très bien que dans les commentaires, vous allez me poser la question, est-ce qu'il y a une version globale qui va sortir ou pas? Pour l'instant, on ne sait toujours pas, il n'y a pas plus d'informations que ça, et le jour où j'aurai des infos vraiment concrètes et précises, je vous les partagerai en vidéo. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai 108 tickets. Autant te dire que normalement, la pity, c'est à 9 multi-invocations, c'est-à-dire 90 tickets d'invocation. J'en ai 108, sans payer, d'accord? C'est des tickets gratos. Et en plus de ça, j'ai quasiment 14 000 fruits du démon. Ici, les fruits du démon bleu, c'est toujours mes 12 350 fruits du démon bleu. Hein. J'avais Khadlas sur le jeu. Je m'en souviens le deuxième ou troisième jour de la sortie du jeu, parce que je m'étais dit, voilà, moi, j'ai envie d'avoir des gros persos comme Mihawk, Aokiji, etc. J'ai pas besoin de les utiliser. Le jeu est tellement généreux que je n'ai pas besoin d'utiliser mes fruits du démon que j'ai payés. Ils sont là, voilà, c'est, on va dire, c'est un compte épargne, voilà. C'est un truc de fou. Bref, ce jeu, franchement, j'espère vraiment qu'il arrivera en version globale pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, let's go, les amis. Eh ben, écoutez, on va partir en invocation. J'espère obtenir Aokiji avant la pity. Ça serait vraiment le top du top. Allez, on est parti. 3, 2, 1... Yeah! Et max de pouces bleus sur cette vidéo, comme d'habitude, les amis. Allez! Tu sais quoi, regarde, on va faire les espèces de lunettes là qu'il a sur le front, là. Hop, le truc un peu comme ça. Je crois que ça fait un truc un peu comme ça, là. Voilà, tu vois, hop. Bon, alors, faut pas relâcher le doigt, hein, avec ce système-là. Vas-y, let's go, on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. T'as trouvé ou pas, Luffy? Il dit, il a trouvé. Bah vas-y, t'as trouvé quoi? Ok. Ok, on commence doucement. Doucement, mais c'est pas... C'est pas vraiment ce qu'on recherche, tu vois. Bon, on va prendre Usopp. Usopp! Let's go. Ok, Kuro, Sogeking. Oh! Ok. Smoker. J'ai vu du jaune, tu vois, je me suis dit, ça y est, c'est le SS qui tombe de Aokiji. Non, non, ok, c'est Smoker. Smoker. Bon, c'est bien, parce qu'en soi, c'est un personnage S. Toutes les multi-invocations que je suis en train de faire, là, les amis, dites-vous bien, c'est gratuit, d'accord? On a eu vraiment de quoi farmer sur le jeu. Donc, on va pas se plaindre, un personnage S, comme ça, c'est plutôt cool. Ok, Mr. One, tout ça, encore Smoker. Oh, encore un personnage. Oh, Sanji, en A, pourquoi pas, tu vois, on prend des petits doublons comme ça, même si le Sanji SS est large meilleur. On l'a, d'ailleurs c'était gratuit aussi. L'un des meilleurs persos du jeu qui a été donné gratuitement par le jeu. Fallait juste farmer. Et tu farmes, t'as le meilleur perso du jeu, c'est Sanji SS. Ensuite, tu farmes, tu récupères des fruits du démon ou des tickets. Tu avais un autre meilleur perso du jeu. Enfin, ce sont les meilleurs persos du jeu, hein. Mihawk, voilà. Et là, maintenant, tu vas continuer à farmer. Tu vas encore avoir l'un des meilleurs persos du jeu. Kuzan, Aokiji, est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a pas besoin de payer, c'est un truc de fou furieux. Bon, ok, bon. Première multi-invocation, en soi, elle n'est pas si dégueulasse que ça. On va pas, voilà, on va pas critiquer. Franchement, ça va. Une multi-invocation. Let's go pour la deuxième. Yeah! Allez, c'est parti.
Allez Luffy avec ton doigt dans le nez là. Vas-y la glace. Les pics de glace. Les pics de glace de Aokiji. Est-ce que tu vas reconnaître les pics de glace de Aokiji? Je sais pas si vous avez reconnu ou pas, mais... Est-ce que le jeu va reconnaître? Ok, pour l'instant, c'est des fragments. Oh, personnage A. Arlong, pourquoi pas? Pourquoi pas? On prend les doublons de Arlong. Pourquoi pas? En plus, il a un gameplay plutôt sympathique à jouer. Ok. Alors, Jackson, Michael Jackson, là, va là-bas, là. Pour hypnotiser les gens. Baggy, ok, sur Gaking, ok. Bon, celle-là, par contre, elle est dégueulasse, hein. Celle-là, elle est pas folle, hein, comme multi-invocation. Ok, deuxième multi-invocation. Donc là, on va être sur la troisième multi-invocation, jeunes gens. 3, 2, 1. Ok. Allez, trouve. Une espèce de tornade. Tornade de glace. Tornade de glace. Tornade de glace. Ouais. Bon, c'est pas vraiment ce que je demande. Je préférerais plus, tu vois, un pouvoir qui gèle, tu vois. Genre, j'aimerais bien voir de la glace arriver, tu vois. Ça serait pas mal. Bon, ok. On va le prendre. Y'a qui d'autre? Ok. Personnage A. C'est qui, ça? Oh, Kuro! Kuro! Alors, lui, par contre, en PVP, c'est un cancer. Hein. Donc, on va pas cracher dessus. Des doublons sur Kuro, c'est plutôt pas mal. Même si en PVP, c'est pas pay to win. Là, c'est plus pour le PVE, quand vous chopez des doublons. Parce qu'en PVP... C'est équilibré. C'est-à-dire que tu as une fois le perso ou que tu l'as 15 fois en PVP, c'est équilibré. Tous les persos ont les stats. Ils n'ont pas des stats cheatées en fait. Ils ont les stats. Par exemple, pour faire simple, pour ceux et celles qui ne connaissent pas One Piece Fighting Pass, j'ai Mihawk par exemple, j'ai chopé 3 ou 4 fois. La personne en face de moi en PVP, il a Mihawk, il l'a chopé qu'une fois. Il aura les mêmes stats que moi en PVP. Et ça, pour le coup, c'est bien parce que c'est pas pay to win, quoi, tu vois. Les doublons, c'est bien pour le PVE. Pour aller fracasser l'IA le plus rapidement possible, tu vois, sans trop galérer. Quand tu fais du Impel Down, tout ça, tu vois. Ok. Lui, par contre... Non, tu vois. Bon, t'as compris. Non. Ok, encore un perso A. Oh, encore Kuro. Bah, viens, mon petit, hein, viens. Ça me dérange pas, Kuro, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Pas de S? Pas de SS? Non, non plus. Ok. Ça va être la quatrième multi si je dis pas de conneries là. Les amis, c'est maintenant. Frérot, faudrait que tu viennes un petit peu. S'il te plaît, m'envoie pas jusqu'à la pitié. Cousin, frérot, ne m'envoie pas jusqu'à la pitié s'il te plaît. Ok, allez. Let's go. Let's go. Sur My Hero Academia, le S de Sofiane m'a donné All Might. Est-ce que le S de Sofiane peut me donner Aokiji? Let's go. Let's go! Allez, s'il te plaît. Encore un A. Oh, Usopp, frère, au bout d'un moment, ça y est, c'est bon. C'est stylé les animations, quand même. Puis bon, graphiquement, le jeu, il est beau. Hein. On va pas se mentir, hein. Jeu mobile, franchement, graphiquement, c'est propre. Mr. One! Si tu veux. Il a un gameplay intéressant également, Mr. One. Ok. Y'a qui d'autre? Arlong. Encore un perso A. Oh! Zoro! On prend Roronoa Zoro. Ça, je dis oui. Moi, je kiffe Zoro. Je kiffe Zoro, moi, les frérots. Donc, ça je dis oui. Ça, y a pas de problème. Ok. C'est pas vraiment ce que je voulais, mais c'est pas grave. Vas-y. Qui d'autre? Mr. One encore. Oh! 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 C'est Bellamy. J'ai vu du jaune, tout ça, putain, je croyais que c'était un SS. Ok, c'est Bellamy, c'est un S, bon, c'est pas mal. Par contre, on se souvient de la grosse patate. Gomme, non, qui t'avait mis Luffy, tu faisais moins le malin, là, frérot. Tu faisais moins le malin. Ok, très bien, Bellamy. Bon, 5 multi. On arrive à la 6ème. En soi, c'est pas dégueulasse, quand même. Elle était pas dégueulasse, cette multi. Let's go. Yeah! Allez, c'est parti. S'il te plaît, le S... de Sofiane. Let's go. Tu trouves ou pas, Luffy? Est-ce que tu trouves? Bellamy, ok, encore un A. Zoro, on prend. Je prends Zoro. Parfait. On prend. Qui d'autre?
Mr. One encore. Bon, c'est des persos B, alors il a un gameplay sympa, tu vois, mais tu peux pas, voilà, c'est pas avec lui que tu vas compter faire des ravages, tu vois. Ok, qui d'autre? Encore un A? Mais non, mais Usopp, wesh, il vient tout le temps dans mes multis, lui. Wesh, Usopp, frérot, c'est un truc de fou, ça. Qui d'autre? S'il te plaît. Le Poiscaille, poisson pané, la lustu cru, va-t'en. Non, moi, c'est pas ça que je veux, Encore un A? Je vais l'apprendre. La vérité, je vais l'apprendre, je l'avais pas. Donc, on prend. Encore un A? Luffy! Let's go, vas-y, on prend. Luffy, c'est pas mal. Zoro, Luffy, tout ça, voilà. Ok, par contre, là, on arrive à la 7ème multi. Mais, gratuitement. Après, j'avoue, j'aurais préféré garder encore beaucoup plus de tickets, tu vois, pour... ça parle d'un Zoro Ashura qui va arriver sur le jeu, ça parle d'un Luffy Gear Secondo, tu vois. J'aurais bien voulu garder un peu plus de tickets. Bon, ça va, j'ai quand même 14 000 fruits du démon, quasiment. Allez, on va pas se perdre. Yeah! Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire, là? Vas-y, frère. Regarde, on va essayer de te faire les lunettes que t'as sur ton front. Voilà, elles sont un peu comme ça. Voilà. T'as un peu la mâchoire carrée, frère. Voilà, comme ça. Hop. Là, ça, c'est les oreilles. Il a des cheveux un peu comme As, tu vois. Vas-y, cousin, frère. J'ai pas eu le temps de le terminer. Pas vraiment ce que je voudrais. Sanji serait content. Moi, c'est pas vraiment ce que je demande. Mais bon, c'est pas grave. On prend. Non. Vas-y, va. Va faire le ménage ailleurs, toi. Toi, c'est comme la cuisine, toi. Va. Ok, let's go. Oh. Encore elle. Oh ouais. Ah ouais, là, ouais, en fait, moi, il va m'emmener jusqu'à la pitié, quoi, le jeu. Il va m'emmener jusqu'à la pitié, quoi, c'est ça? Encore un A? Kuro, encore! Bah, Kuro, là, ça va me faire des doublons dessus, hein. En vrai, de vrai, c'est pas si mal que ça, d'avoir des doublons là-dessus. Sur Kuro, mais bon. Ok. On est à la 8ème. Ça va être la 8ème. Je vous le rappelle, normalement, à la 9ème, je suis censé avoir Aokiji, quoi qu'il arrive. Logiquement. Sauf s'il y a un gros bug sur le jeu. Yeah! Allez, c'est parti. Tu m'as fané. Voilà. Tu m'as fané le jeu. Vas-y, dépêche-toi là. J'en veux pas. Clairement, j'en veux pas. Qui d'autre? Eh, lui aussi, il est venu, je l'ai eu combien de fois, là, dans cette vidéo? Je l'ai eu trop de fois, les frères, c'est trop. Aokiji, frérot, s'il te plaît, viens. Ok, encore un A. Arlong. Pourquoi pas? Allez, vas-y, Aokiji, laisse-moi gratter au moins une multi, tu vois. Petite multi, tu vois. Luffy. Monkey, dit Luffy. Ok. Qui d'autre? C'est un délire, hein. On l'a combien de fois, lui? C'est un truc de fou, franchement. C'est un truc de fou. S'il te plaît. Bon. Faut que j'aille jusqu'à la pitié, quoi. Donc là, normalement, c'est la pitié. Normalement, quoi qu'il arrive, j'ai Aokiji. Je mets juste un point. Parce que là, normalement, c'est Aokiji, quoi qu'il arrive. Normalement. Max de pouces bleus, les amis, pour le soutien. Max de pouces bleus sur cette vidéo pour le soutien. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. S'il te plaît. Me fais pas... Voilà. Il est là. Nico Robin. Je croyais que c'était lui. Ok, Nico Robin, par contre, c'est bien.
En vrai de vrai, c'est très bien, Nico Robin. Il va arriver tout à la fin. Voilà, ça c'est l'animation. Cousin Rokiji, il est là, les gars. Yes, yes, yes. Bon, c'est ça qui est intéressant sur ce jeu gacha One Piece Fighting Pass. C'est qu'au bout d'un moment, t'as fait 9 multi-invocations. Oh là là, la classe. Oh la classe. Vous avez vu la différence avec un perso SS, comment il débarque? Voilà. C'est ça qui est cool dans ce jeu gacha, c'est que quoi qu'il arrive, eh bien du coup, le jeu, il est généreux. Tu as dépensé 9 multi-invocations, ils vont te donner le perso que tu souhaites. Et ça, c'est bien. Parce que en vrai de vrai, on n'est plus vraiment sur un système un peu aléatoire ou quoi. Tu sais que tu as 9 multi-invocations, dans les 9 multi-invocations, tu auras le personnage que tu souhaites. Donc, pour le coup, j'ai juste farmé gratuitement les tickets. Beaucoup d'entre vous sont comme moi, donc... En soi, j'ai eu le perso gratuitement, ça c'est plutôt cool. Maintenant, quand le jeu va continuer à évoluer, peut-être que voilà, par moment, il faudra mettre la main à la poche, c'est normal, ça reste un jeu gacha, à la base, c'est un jeu gratuit, et bon, il faudra peut-être mettre un petit billet par-ci, par-là, tu vois. Moi, ça me dérange pas, parce que le jeu, il est vraiment qualitatif, mais c'est bien, parce qu'au moins, tu es sûr et certain de ne pas te faire shaft, tu vois. La frustration, du coup, elle disparaît, en fait, sur ce jeu. C'est pas comme des Bay Legends ou quoi, où... J'ai mis 70 000 cristaux, j'ai toujours pas Gata et Zamasu. Tu vois ce que je veux dire? Ça représente de l'argent quand même. Bah là, pour le coup, il n'y aura pas ça sur One Piece Fighting Pass. On espère vraiment, du coup, une version globale sur le jeu. Ça serait plutôt pas mal. Bah voilà, hein. Aokiji, hein. Incroyable. Incroyable. On a le beau gosse Aokiji, du coup. Franchement, c'est stylé. En plus, il y a des events et tout. Je pense qu'on les fera en live tout à l'heure sur la chaîne de Twitch. N'hésitez pas à les follow sur ma chaîne de Twitch. Le lien est dans la description de cette vidéo. Donc voilà, on ira faire tout ça. On ira le monter. On ira le tester en PVP. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On a le beau gosse Aokiji dans la box. Et ça, pour le coup, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Tu es où, mon petit? Tu es où? Tu es là. Tu es là. Tu es là. Aokiji. Voilà, les amis. Merci à vous et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, 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 non! Yeah!